Salut, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir le deuxième concept avancé de Django. Voilà, j'appelle ça déjà des concepts avancés juste parce que ça nécessite d'avoir des bases de Django pour pouvoir bien les comprendre. Ok, c'est pour ça que je les appelle concepts avancés. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment créer un modèle utilisateur Django personnalisé. Je vous rappelle que c'est un concept très important dans Django. Voilà, et c'est l'un des concepts les plus profonds de Django. Hein. C'est l'un des concepts les plus profonds. Donc, vous allez découvrir cela au cours du tutoriel. Donc, déjà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous me découvrez à travers cette vidéo, moi, c'est Donald. Je suis développeur Python, voilà. Donc, je suis étudiant dans l'une des écoles polytechniques au Cameroun. Donc, d'ici 2 ans, voilà, on va dire 1 an, je serai ingénieur, ok? Voilà. Donc, on va voir déjà c'est quoi le modèle, un modèle personnalisé. Et vous allez mieux comprendre. Donc, je vais prendre un projet très simple un peu pour vous montrer quelque chose très rapidement, ok? Si je passe sur desktop, e-learning, je vais dans mon terminal, ok. Donc, si je fais ça, ok, j'active l'environnement virtuel, activate, ok, cd e-commerce, Django. Ok, bon, Python, tweet, manage.py, run, save. Ok, et voilà, le serveur est lancé. Ok, ce que je vais vous montrer, en fait, si j'entre dans cette application, ok, je vais partir à la partie admin de cette application. Pardon. Admin. Voilà, ça c'est une application de e-commerce. Admin. Ok. Voilà. Ça c'est une application de e-commerce, comme je disais tantôt. Ici, on a un modèle utilisateur. Ok. Ce modèle utilisateur, si je clique là, ok, vous allez voir les utilisateurs de ce site. Ce modèle, en fait, si je prends un utilisateur quelconque, peut-être celui-ci, et j'ouvre, vous allez voir que cet utilisateur est identifié par 2 choses. Il est identifié par son nom d'utilisateur et par son mot de passe. Première question qu'on doit se poser, est-ce que je peux identifier cet utilisateur avec son email plutôt et non son nom d'utilisateur? Est-ce que je peux identifier un utilisateur avec son numéro de téléphone? Vous comprenez déjà d'où vient créer, refaire un autre modèle, ok, reconstruire ce modèle de zéro, ok, parce que ça c'est un modèle qui vient avec Django, c'est préconstruit, ok. Et même ce modèle a été modifié, parce que si vous descendez tout juste ici en bas, vous allez voir ici, par exemple, cet utilisateur, lui, il peut vendre, ok. Il y a je veux vendre, je peux vendre, ok. Il y a d'autres coordonnées que ce utilisateur possède. Ok, qui est le numéro de téléphone, sa ville, sa région et sa biographie. Ça c'est un utilisateur, je suis sûr que vous l'avez deviné, qui a été construit. Ce modèle a été construit en utilisant un abstract model. J'ai déjà fait un tutoriel dessus, comment construire les abstract models. Ok, mais avec le abstract model, je ne peux pas toujours faire en sorte que l'utilisateur puisse se connecter sur le site avec plutôt son adresse email, par exemple. Ok, regardons simplement. Regardez pour bien comprendre. Regardez, si je viens ici, je clique ça. Ok, je pardon,
je fasse ça, je nettoie ça rapidement. Ok, si je fais python 3 manage.py create sopar user. Ok, si je fais ça, regardez qu'est-ce qu'on me demande, le nom d'utilisateur. Ok, pourtant j'ai besoin qu'on me demande plutôt l'adresse email ou bien le numéro de téléphone. Ok, c'est ce qu'on va donc faire dans ce tutoriel. Je vais vous montrer comment faire cela. C'est pour ça qu'on appelle ça comment créer un modèle d'utilisateur Django personnalisé de telle façon que vous avez tout le contrôle sur le modèle. Et je rappelle bien parce que j'ai fait un article dessus qui est ici là, vous pouvez lire l'article. J'ai fait un article dessus, je vais mettre le lien en description. Parce que je rappelle dans l'article que quoi, c'est à quel niveau. Voilà, voici ça ici. Ok, je dis de garder à l'esprit que la personnalisation des champs par défaut de Django ajoute beaucoup de complexité à un système déjà complexe. Je vous rappelle que Django c'est un système très complexe, vraiment très complexe. Ok, restez avec les champs par défaut dans la mesure du possible. En d'autres termes, ne créez pas de modèle utilisateur personnalisé si vous n'y êtes pas obligé. Les clés étrangères sont idéales pour cela. Ok, vous pouvez peut-être associer d'autres informations à un utilisateur en utilisant une clé étrangère liée au modèle user. Ok, donc utilisez vraiment reconstruire un nouveau modèle, refaire un modèle personnalisé nécessite vraiment que vous ayez bien étudié votre projet de telle façon que vous êtes sûr que non, ce projet nécessite un modèle personnalisé. Parce que vous allez voir, le modèle personnalisé augmente beaucoup de tracas au projet. Ok, parce que en fait vous êtes en train de délocaliser tout un bloc de Django. Ok, donc, et cela peut arriver dans quel cas? Ça peut arriver dans des très grands projets. J'ai vu beaucoup de projets d'entreprise où le modèle est reconstruit de zéro. Ok, j'ai vu ça dans l'application Zulip, dans les applications des réseaux sociaux qui utilisent ça, tels que les YouTube, tout ça. Donc le modèle est personnalisé en fait. Donc ce sont des très grands projets. Aussi, j'ai constaté aussi ça beaucoup dans les sites de e-commerce. Ok, dans les sites de e-commerce, ils utilisent, ils repersonnalisent. Si vous téléchargez, Django Shop, vous allez voir que voilà, le modèle est personnalisé. Ok, mais il y a bien le abstract qui permet. Si vous avez vraiment besoin de personnaliser votre application, mais que vous ne voulez pas trop travailler, vous pouvez utiliser les abstract user. Vous pouvez utiliser abstract user. Comme ici, ce modèle est construit. Ce modèle que j'ai construit ici, utilisateur, n'est pas loin de la personnalisation d'un modèle. Mais il y a quand même des petits trucs que je peux pas faire avec ce modèle. Si par exemple faire en sorte que l'utilisateur login en utilisant par exemple l'email ou bien le numéro de téléphone, et vous êtes d'accord avec moi que sur certains systèmes on a besoin que l'utilisateur s'enregistre en utilisant les emails. Cela est courant sur les sites de e-commerce, nous sommes d'accord, et c'est une stratégie marketing, si on peut dire ici, parce que on a besoin de savoir que non, l'utilisateur a vraiment entré un bon email qu'il va utiliser chaque fois. Et chaque fois, on va lui faire, des publicités via son email, quelque chose comme ça. Ok, voilà. Donc, ce modèle, par exemple, avec ce modèle, je peux connaître le nom, le numéro de téléphone, la ville, la région, la biographie d'un utilisateur quelconque. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis additional information. Ok, voilà, j'espère que c'est clair. Donc ce qu'on va faire ici là, c'est de reconstruire, en fait on va reconstruire tout ce modèle que vous êtes en train de voir. Comment on gère le admin,
Donc on va voir, comme vous voyez ici, cet utilisateur est actif. Je peux lui mettre le statut d'équipe, le statut de Sopalooza. Donc en fait, on va reconstruire tout ça. Ok? Vous allez reconstruire tout ça de zéro. En fait, c'est ce qu'on va faire. Ok? Et pour aller très vite, j'ai donc écrit, j'ai mis sur pied cet article pour que on puisse aller très vite pour que la vidéo ne soit pas, le tutoriel ne soit pas long. Ok? Donc on va suivre cela très rapidement. Dans l'introduction ici, vous voyez déjà, je dis que le modèle utilisateur intégré de Django et la prise en charge de l'authentification sont incroyables. C'est incontournable pour Django depuis longtemps. Ok? Pour moi, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'utilise Django sur Flap. Ok, si vous avez travaillé un peu avec Flap, vous allez connaître les différences au niveau du modèle et l'authentification. Le modèle USA et l'authentification. Ok, voilà. Donc, première des choses que vous allez faire, je suis sûr que vous êtes déjà à la version de 2.plus. Donc, vous allez créer. Vous allez créer une application, vous pouvez appeler account ou bien utilisateur. Ici, vous mettez utilisateur et vous enregistrez utilisateur tout simplement. Ok? Moi, je banalise un peu avec l'anglais ou français là, donc parfois ça dérange quand même. Ok? Donc, vous allez faire ça. Ok? Vous mettez utilisateur. Ok? Après ça, on va aller maintenant dans le modèle. Ok? On va aller dans le modèle. Vous allez copier ce code-ci qui suit. Je ne vais pas aller frapper tout ce code, mais je vais copier, aller déposer et vous expliquer. Ok? Donc, on va aller dans le modèle de utilisateur. Après avoir enregistré l'application, n'est-ce pas? Donc, je copie ça. Je viens ici. Donc, si on part dans Settings, vous allez voir que j'ai enregistré l'application utilisateur. Maintenant, je vais aller dans utilisateur, j'entre dans modèle. Ok? Quand vous êtes dans modèle, vous collez ce bout de code. Ok, vous collez simplement le bout de code en question. Tout simplement. Donc, on va arranger le code ici très rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas. Ok. Première chose à faire, vous allez faire from django.contrib.authentification.model import base user. Base user si. Ne regardez pas encore ça, on va revenir dessus, ok? Et vous allez importer abstract base user. Abstract base user, ok? Maintenant, lorsque vous avez importé cela, on va créer... Ok. Voilà. J'arrange... quelques petits trucs là rapidement. Ok, je vais expliquer dans un instant. Ok, c'est pas complexe aussi, c'est pas aussi tellement complexe. Ok, bon voilà le code un peu, voilà, donc je vous explique très simplement, c'est pas quand même complexe. Donc ici déjà vous avez, j'ai créé une classe, ok, qui s'appelle user, utilisateur tout simplement, et c'est un abstract base user, ok, c'est un abstract base user. Donc abstract base user en fait, si je pars, j'ouvre ceci. Donc en fait, je suis dans Django, ok, je suis dans le code de Django ici. En fait, voici la classe qu'on est en train d'hériter, ok, c'est voici la classe qu'on est en train d'hériter. Vous allez voir que cette classe a quelques champs déjà par défaut, le password, le last login, le is active, hein, le require, ok.
Donc, ça garde ça, le get username, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est très simple à comprendre le code Django. Ok, c'est pas compliqué. Donc, c'est cette classe qu'on est en train d'hériter. Donc, ça veut dire quoi? Comprenez bien, si j'hérite la classe abstract base user, ça veut dire que ma classe user va avoir déjà les champs tels que password, last login is active sera directement égal à true par défaut. Ok? Donc, on va rentrer dans le modèle. Je vous ai montré cette classe. Maintenant, ici, je définis l'email. Ok? Je définis l'email. Ok? Regardez, email égale à email field, verbose name égale à email address, max name 255. Ok? C'est exactement comme ça que dans la documentation. Ok? Unique égale à true. C'est ici maintenant qu'on veut changer parce que j'ai envie d'utiliser l'adresse email pour authentifier un utilisateur. Si c'était le téléphone que je vais utiliser, je peux venir ici, je crée juste ce champ, ok, que je peux appeler phone number, je sais pas, peut-être phone et égal à model, donc peut-être on va dire un char field. Bon, il y a même déjà les phone field, mais on va dire un char field, ok, max lane, et là on peut dire 100, ok. Là, je vais faire une unique, peut-être égal à true. Ok? Ça veut dire que un utilisateur, deux utilisateurs ne peuvent pas avoir le même numéro de téléphone. Nous sommes d'accord? Ok? Donc, je peux décider d'utiliser le numéro de téléphone comme username. Ok? Donc, je vais commenter ça. Après, on va l'utiliser pour que je vous montre. En fait, ce que je veux maintenant, on a is active égale à true staff. Donc, ça c'est par défaut. Non, nous sommes en train de donner des valeurs par défaut. Lorsqu'on dit is active égale à true, si vous avez regardé bien ici, vous allez voir ici is active égale à true, mais on peut changer. On dit is active égale à false. Ok, vous savez que is active égale à true, en fait, ça si is active n'est pas égal à true, ça veut dire qu'un utilisateur ne peut pas login. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'un utilisateur ne peut pas login. Si is active est égal à false, ça veut dire qu'un utilisateur ne peut pas login. Ok? C'est quand c'est true, ça veut dire qu'il peut login. Il arrive sur la page par défaut pour les utilisateurs qui ont login. Maintenant, le staff, on dit false. Parce que lorsqu'un utilisateur vient de créer un compte, on ne peut pas directement l'affecter comme un staff. Ok? Admin aussi la même chose. C'est quand même basique à comprendre. Maintenant, l'une des choses les plus importantes à mettre maintenant, c'est username field. Ceci là, c'est obligatoire. Vous devez donner ça. Username field. Username field par défaut, c'est le nom de l'utilisateur. Ok? Je pourrais tout bien venir ici. Je dis toujours qu'on va utiliser le nom d'utilisateur. Donc, je viens ici. Je crée un username. Ok? Et je fais un char, tout ça, tout ça. Ok? Et c'est ici que je viens. Je mets donc username. Nous sommes d'accord, mais dans le username field, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis email. Ok, j'ai mis quoi? Email. Vous voyez bien. Maintenant, il y a ce deuxième truc qu'il faut mettre. Ok, require field. Require field par défaut. Require field en français, ça veut dire les champs requis. Requis pour se connecter à cette application. Ok, ce sont les champs requis. Ça veut dire quoi? Pour que l'utilisateur puisse se connecter à cette application, il lui faut le username field. Il lui faut le champ nom d'utilisateur. Il doit remplir ce champ. Et par défaut, ici, nous avons mis que ce champ doit être quoi? L'adresse email. Je peux changer ça, je mets le numéro de téléphone. Ok? Donc, vous devez bien comprendre ça. Vous devez bien comprendre ça. Surtout, je sais que beaucoup de jeunes me suivent. Vous devez comprendre ça parce que je sais que vous allez travailler pour des boîtes et généralement durant les interviews, ça peut être l'une des questions qu'on vous pose. Ok, et lorsque vous le répondez, pensez que bon, il ne maîtrise pas encore vraiment Django, il ne sait pas comment Django, il n'a pas encore vraiment des bases solides à Django, et c'est comme ça que vous pouvez rater votre job. Vous devez bien comprendre ça. Ok, voilà. Donc, ici maintenant, require field, ça va être quoi? Le username field et le password.
Le password, on n'a pas besoin de définir le password ici. Je n'ai pas besoin de définir le password ici. Pourquoi? Si je définis, c'est juste une surcharge. Parce que la classe que j'hérite définit déjà ça pour moi. Ok? La classe que j'hérite le fait déjà ça pour moi. Donc ça fait déjà ça. Ok? Il y a password et last login is active. Ok? Si on descend là, voilà, vous allez voir comment ça fait pour garder le password. Ok? Comment ça fait pour garder le password? Vous allez comprendre ça. Nous avons beaucoup fait des trucs comme ça. Maintenant, ici, vous allez voir la fonction get username. Regardez bien comment, ce que cette fonction fait. Get username. Qu'est-ce que cette fonction fait? En fait, elle retourne le username field. Le username field. Nous sommes d'accord. Le username field, c'est quoi? Par défaut, c'est le champ que Django appelle get user username. Ça, c'est le truc par défaut, le nom d'utilisateur. Mais ici, on a fait une surcharge. On a changé ça. Ça veut dire que cette fois-ci, ça doit prendre plutôt l'adresse email. Franchement, je veux que vous compreniez cela. Ok? Ça va récupérer plutôt l'adresse email. Maintenant, ici, vous allez voir, j'ai fait une méthode. Si on rentre ici, je crois qu'il y a, il doit avoir cette méthode là ici. Si je me trompe pas. Is authenticate, check password, section. Non, il n'y a pas ça. Is anonyme, is authenticate, get username. Bon, il n'y a pas ça ici. Mais on va rentrer ici. Si je vais get le full name de l'utilisateur, je retourne cette fois plutôt son adresse email. Ok? Je retourne cette fois plutôt son adresse email. Le shop name, ouais, le nom court, je retourne son adresse email. Vous pouvez changer, c'est pas. Vous pouvez changer. Vous pouvez peut-être décider de retourner son numéro de téléphone, n'importe quoi. Ok? Ça dépend vraiment de vous. Ok, maintenant ici, voilà, vous connaissez ça déjà, vous connaissez ça, c'est pas important. Maintenant, has permission, ok, ici has permission, par défaut, on doit dire toujours que c'est égal à true, ok, que l'utilisateur a cette permission. Après, je rappelle qu'après ce tutoriel, le prochain tutoriel, ça serait les groupes et permissions, ok, je vais faire un très bon tutoriel dessus où je vous explique comment gérer les groupes et les permissions dans Django. Ok, c'est le prochain tutoriel. Donc si vous ne comprenez pas trop, c'est que lorsque j'ai dit has pen égal à true, il n'y a pas de problème, je vais revenir sur ça. Ok, mais il faut mettre ça qu'il a la permission de voir l'application quand même. Ok, parce que si un utilisateur ne peut pas voir les trucs qui sortent d'une application, peut-être les produits quelconques, voilà. Par défaut, sinon c'est pas bon, il doit quand même voir les trucs, sinon si vous ne lui donnez pas cette permission, il ne peut rien voir. Ok, mais je vais faire un tutoriel dessus. Maintenant, has module permission, voilà, c'est toujours presque la même chose, mais on va faire un tutoriel dessus. Je vois que c'est important quand même. Maintenant, ça, ce sont les properties. Voilà, si vous êtes un peu familiarisé avec voilà, avec Python, vous comprenez ça. Ok, les setter getter. Ok, voilà, c'est le property, ça aide à faire les setter. Voilà, donc ici là, en fait, c'est pour dire que si les staff, si l'utilisateur est staff, on retourne dans ceci. Si on veut, on, dans ce, en fait, c'est si l'utilisateur est ça, on retourne ça. Et vous voyez que c'est une propriété, c'est sur property, donc c'est sous forme sécurisée. Ok, donc on ne peut mettre un utilisateur administrateur que si on entre dans l'admin même. Nous sommes d'accord, voilà. Donc c'est la même chose avec l'admin. Donc après avoir écrit ça, si je viens ici, les require field, je peux venir ici là, j'enlève ça, ok, et je viens dans require field. Les require field par défaut, c'est uniquement le username field et le password. Mais si je veux que le phone number soit aussi un require field, je viens juste ici et je mets phone.
Vous comprenez? Ça veut dire que pour créer un compte sur ce site, 1. On ancre l'adresse email. 2. On ancre le numéro de téléphone. 3. On ancre le mot de passe. Vous devrez comprendre ça. Donc, si je viens ici, ok, je suis où? Python e-commerce, non? Je passe sur notre application même. Ok, c'est ça ici. J'installais, je venais d'installer les trucs. Donc, j'agrandis. Bon, si je viens ici, avant de venir, ok, je fais manage.py, je fais run, make migration. C'est bien écrit, j'espère. Ok, donc je viens de créer un modèle user. Ok, donc je vais pas encore migrer. Ok, je vais juste laisser comme ça. Je vais pas encore migrer. Maintenant, on va venir ici pour que je puisse voir les fichiers qui a été généré. Ok, donc je vais aller dans migration. Voici le fichier qui a été généré par le make migration que j'ai fait. Regardez bien ce fichier. Ok, regardez bien ce fichier. Regardez, vous allez voir qu'il n'y a déjà pas password qui est là. Ok, il n'y a pas password qui est là. Il y a le ID, il y a le last login, il y a le email, il y a le is active, il y a le staff, il y a le admin. Ok. Or, vous savez que je n'avais pas entré le password. Le password venait de quoi? Du abstract base user. Ok, je veux vraiment que vous compreniez cela. Donc, vous devez comprendre pourquoi. Pourquoi, même si je ne mets pas ça, il est toujours require field. Parce que ça vient du abstract base user. Ok? Good. Maintenant qu'on a fait ceci, on va rentrer sur le site. Donc, vous avez créé le modèle utilisateur. Ok, la prochaine étape. Ok, ici j'ai expliqué ce que veut dire vraiment le user name field. Vous pouvez lire, vous allez bien comprendre, les thèmes sont faciles, ainsi de suite. Ok, et j'ai pris de grandes références parce que j'ai copié en fait cette structure sur le site de code. Un entrepreneur en fait, le codage pour les entrepreneurs, c'est une chaîne YouTube en anglais plutôt. Ok, vous pouvez suivre, vous pouvez le suivre. J'apprends beaucoup de lui. Ok, voilà. Après ça, maintenant on va créer un gestionnaire de modèles. Ok, un gestionnaire de modèles. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un gestionnaire de modèles, ok, je vais mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite. Ok, sur cette chaîne, vous allez regarder ce que c'est qu'un gestionnaire de modèle pour mieux comprendre. Donc, pour faire ce gestionnaire de modèle, vous copiez juste ce code. On rentre ici, dans modèle. Tout juste ici en haut. Vous collez cela. Ok? Voilà. Quand vous collez cela, je vais enlever ça. Bon, j'arrange rapidement et je vous explique ce qui se passe ici. Ok? Ok. J'ai l'impression que mon écran est devenu plus noir, je sais pas. Ok, voilà. Voilà. Donc, le gestionnaire de modèle, c'est quand vous avez une classe, vous faites classe, vous avez un modèle, vous faites nom du modèle. Lorsque vous avez un modèle, je
vous faites dot object, dot peut-être je sais pas, peut-être create or get. Ok, si vous faites par exemple create or get, ok, vous faites quelque chose. Le object ici là, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire, ok, le gestionnaire de modèle, en anglais c'est un manager, ok. Donc c'est en fait ça, mais je vais mettre une vidéo juste en bas où je vous explique bien vraiment comment ça marche. Donc c'est ce qu'on veut créer ici là, ok. Donc je fais ici classe user manager, vous pouvez nommer ça n'importe quoi, ok. Ça hérite de base user manager, ok. Première des choses à faire ici là, vous devez mettre une fonction pour créer un utilisateur. Parce que vous savez que lorsqu'on a object, ok, lorsqu'on a un object comme ça là, on peut faire un create, ok, pour l'utilisateur. On peut aussi faire un update pour l'utilisateur, on peut faire un get pour l'utilisateur, ok. Mais ici, on va se focaliser sur créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, il nous faut quoi? Comme on a dit au départ, l'adresse email et le password, ok. Si nous partons dans Base Manager, pour que vous puissiez voir ce qui se trouve là-bas. Regardez Base Manager. Il hérite de modèle de manager. Ok. On a déjà vu comment on fait ça dans un tutoriel. Je crois que c'était sur les proxys. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a une fonction qui est normalize email. Ok. En fait, c'est une fonction qu'on a créé ici qui prend en compte l'email, ok, comme argument, ok, et ça regarde si l'email contient arrobase avec un dot quelque chose, ok, et si tel est le cas ça retourne vrai, si tel n'est pas le cas ça retourne une erreur, ok. C'est en fait ce que fait ce monsieur, ok, voilà. Donc si je rentre ici, vous allez voir que ici je regarde l'email, je dis if not email, on dit que les utilisateurs doivent avoir un adresse email, ok. Après je dis user égale à surf.model, email égale à surf.normalize email. Je vous ai montré cette fonction normalize, ok, je vous ai montré ça quelque part ici. Et lorsque vous regardez cette fonction, vous comprenez, c'est basique quand même, ok, c'est pas complexe, c'est basique, mais c'est un classe méthode, c'est pour ça que vous voyez, voilà, c'est un classe méthode. Donc ça récupère, ça cherche si c'est valide ou pas, voilà. Donc c'est la première chose qu'on utilise ici, ok. Maintenant le password, on fait user.set password. Voilà, c'est toujours comme ça qu'on fait lorsqu'on veut passer les passwords, ok. Voilà, ça utilise le hashcode, voilà, pour hacher ça de telle façon que même vous qui avez créé le site, vous n'êtes pas capable de voir le mot de passe de l'utilisateur à moins que vous décodez, ok. Voilà, et maintenant pour enregistrer, c'est user.save using surf.db, tout simplement, ok. Donc le code est sur l'article, vous allez juste copier, ainsi de suite. Ok, maintenant on a vu comment créer un simple utilisateur, n'est-ce pas? On va voir maintenant comment créer un staff. Ok, pour créer un staff, c'est simple. On a besoin aussi de l'email et le password. Ok, mais avant qu'on ne mette un utilisateur staff, il faut qu'il soit déjà créé. Nous sommes d'accord? Cet utilisateur est d'abord créé. C'est après qu'on change user.staff égale à true et on le recevait date dans la base de données et on retourne l'utilisateur. Create le surpayuser, c'est la même chose. On crée d'abord l'utilisateur, on met isstaff égale à true, isadmin égale à true, puis on le recevait date et on retourne l'utilisateur. Ok? Ça c'était la dernière et ça c'était l'étape 2, ok, pour avoir le manager. Quand j'ai le manager maintenant, ce que je fais, je viens ici, j'écris quoi? J'écris object égale à
le nom de la classe là c'est quoi? User manager, ok, égal à user manager, ok. Ça veut dire que pour parcourir, si vous voulez par exemple avoir tous les utilisateurs de ce de mon modèle, vous allez seulement faire user.object.all, ok, parce que ici j'ai mis object. Si je change ici, je mets par exemple prenons un truc, je mets Donald, ok. Ça veut dire qu'ici là, vous allez mettre Donald. Ok? Vous comprenez? Je pense que c'est clair maintenant. Ok? Voilà. Je remets comme c'était quand même. Je pense que objet, c'est le meilleur mot pour ça même. Ok? C'est parce que ce sont des objets quand même de la classe. Voilà. Après ça, on doit aller au niveau de setting. Au niveau de setting, il est où setting dans projet, vous partez dans setting. Voilà, n'importe où ici, vous devez dire à Django que Django, fais attention, ton modèle par défaut là, il faut savoir que nous on a créé le nôtre et c'est le nôtre qui va contrôler tout le projet. Vous comprenez? Donc il faut dire ça ici à Django. Donc on va dire donc authentication user model, ok, authentication user model égal, ici vous mettez le nom de l'application où le modèle là se trouve. Chez moi c'est quoi? Le nom de l'application c'est utilisateur avec s dot, vous mettez le nom du modèle user, le nom de l'application et le nom du modèle. Et on fait la même chose lorsqu'on crée les abstract user, les abstract model, c'est la même chose. Donc si vous avez suivi mon tutoriel sur les abstract user, vous devrez comprendre ça parfaitement, mais si tel n'est pas le cas, c'est pas grave. Ok, quand vous avez fait ça, la prochaine étape c'est quoi? On va descendre, voilà. C'est ceci, j'ai déjà fait ça. Ok, j'ai déjà fait ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire make migration et tout ce qui va avec. Donc, on va faire ça. Donc, je relance ceci. Voilà, et je fais manage.py. Pardon. .py migrate. Ok. Je migre. Maintenant, nous allons créer un nouveau utilisateur ici. Regardez bien. On va créer un nouveau utilisateur ensemble. Ok? Donc, je vais faire manage.py create support user. Regardez ce qu'on me demande cette fois. On me demande l'adresse email. Ok? On me demande l'adresse email. Si j'entre l'adresse email, je dis... voilà, donald@gmail.com. On me demande le password. J'ancre peut-être ceci. J'ancre encore. On me dit que bon, j'ai dit quand même yes. Ok, l'utilisateur a été créé. Qu'est-ce qu'on a demandé lorsque je crée cet utilisateur? L'adresse email et le password. Maintenant, regardez ce qu'on va aller faire. Si je viens dans le code, ok, si je viens dans notre code, je viens ici là, j'enlève ça, ok. Comme j'ai déjà créé un nouveau utilisateur, je vais donner une valeur par défaut pour que ça ne me dérange pas après. Je vais dire peut-être n'importe quoi, je vais mettre ça. Et là, je viens ici, je mets phone. Ok, je mets phone. On va rentrer ici. Je fais le migration. Ok. Et je fais le migrate. Good. Maintenant, je vais créer un nouveau utilisateur. On me demande quoi? L'adresse email. J'entre l'adresse email. Je peux plus entrer la même adresse email. Donc, je suis obligé d'entrer une autre adresse email. Ok.
Maintenant, regardez, on demande quoi? Le phone number. Parce que c'est obligé, j'ai mis ça dans quoi? Les require fields. Ok? J'ai mis dans les require fields, j'ai mis phone dans les require fields. Donc, pour créer un utilisateur maintenant, on doit entrer son numéro de téléphone. Vous comprenez? Ok. J'espère que c'est propre. Donc ici, je peux entrer n'importe quoi. Comme c'était un chat field, oui, je peux mettre juste ça. Maintenant, le password, je peux mettre ça, ça. Et je dis yes. Vous voyez, on dit ici, create user got an unexpected keywords argument. C'est normal. Ok? Parce que c'est ce que j'ai fait au niveau du manager. Parce que c'est le manager qui gère tout ça. Parce que si on vient ici au niveau du manager, si on vient ici au niveau du manager, on va voir que lorsque je créais les utilisateurs, je ne mettais pas le numéro de téléphone. Ok? Voilà. Il n'y avait pas le numéro de téléphone ici. C'est normal, c'est tout à fait normal que cet utilisateur ne soit pas créé parce qu'il n'y a pas le numéro de téléphone ici. C'est pour dire que le manager, c'est lui qui contrôle votre application. C'est toutes les fonctions créées d'user, créées sur pas user doivent être ici. Ok? Lorsque vous voulez qu'un champ soit requis lors de la création d'un nouveau utilisateur, vous devez le préciser ici. Ok? C'était juste pour vous montrer ça. Donc, je vais rentrer ici et je vais enlever, je vais commenter ce champ. Ok. Donc, après avoir commenté, je fais un migration. Je fais un migrate, tout simplement. Voilà. Ok. Maintenant, comme on a fait ça, ici, il y a une des... C'est pas tout. Pour que l'application fonctionne, c'est pas tout. Il y a une question de formulaire maintenant pour créer un utilisateur. Il y a une question maintenant de admin aussi. Ok, qu'il faut régler. Donc après ça, on va aller toujours ici. Ok, après avoir fait tout ceci, maintenant, ici j'ai précisé que quelques réflexions pratiques. Définir un authentication user model signifie que nous pouvons utiliser de nombreux packages tiers qui exploitent le modèle utilisateur Django, des packages comme Django REST Framework. Ok, que après Django, on va passer à ce framework et Django All pour l'authentification, Python Social Authentication me viennent à l'esprit. Donc maintenant, chaque fois que vous avez besoin d'utiliser le modèle utilisateur, ok, chaque fois que vous avez besoin d'utiliser le modèle utilisateur, voici ce que vous allez faire. Donc ça, ça peut être le cas où vous êtes, vous pouvez être ici. Je vais venir ici vous montrer dans quel cas vous pouvez avoir besoin de ça. J'entre dans l'application, je vais créer un formulaire form.py. Ok, je vais dire from Django dot concrypt dot authentication import import get user model. Ok, get user model. Donc en fait, le get user model, c'est parce que nous avons changé le modèle, n'est-ce pas? Parce que si je viens là, je dis import user, par exemple, comme ça, j'importe en fait, si je viens là, je dis from Django dot concrypt. Ok, dot concrypt dot authentication dot model. Ok, import user. Je fais par exemple ça. En fait, vous savez que ceci là va créer un problème parce que le user si qu'on est en train d'importer a été override. Ok, donc si vous avez besoin de faire ça maintenant dans votre application, exactement ce que je fais à la ligne 2 ici, si vous avez besoin de faire ça, ce que vous allez faire plutôt, c'est get user model. Ça, c'est un concept que les développeurs, en fait, ceux qui travaillent sur Django, tous les grands là qui travaillent sur Django, ont beaucoup pensé à ça, en fait.
Donc il faut utiliser plutôt le get user model et non ceci. Mais quand, si vous êtes habitué trop à travailler avec le user, cette fois-ci, ce que vous allez faire, c'est juste ça. Vous mettez user comme ceci et vous dites que égal à get user model. Ok, là ça devient ça. Vous, ça fait que lorsque vous utilisez user, en fait, user si c'est plutôt le get si que vous utilisez. Ok, donc c'est en fait ce que je suis en train de dire ici. Ok, ça c'est le cas des formulaires. Maintenant, le cas où vous êtes en train de vouloir hériter, plutôt, vous êtes en train de vouloir hériter. Donc, ça peut être le cas où vous êtes ici, dans modèle. Ok? Ici, là, peut-être que vous voulez créer une classe, peut-être produit. Pourquoi pas? Produit. Ok. Chaque produit doit être utilisé par un utilisateur. Ce que vous voulez faire, c'est donc faire une clé étrangère, n'est-ce pas? Vous voulez faire un foreign key. Et ici, vous voulez mettre un user. Ok? Vous voulez le user ci. Ok? Donc, vous voulez cet utilisateur, par exemple. Je peux mettre un onDelete égale model.cascade. Ok, vous avez besoin de ça. Ça peut être normal parce que ça reconnaît bien la classe user. Ok, ça reconnaît bien cette classe user, mais ça peut bien fonctionner sans problème. Je n'ai pas encore testé ça quand même. J'ai pas encore testé, mais j'ai testé ceci avec les abstract user et mais pas les abstract base user. J'ai testé cela avec les abstract user, ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez juste importer comme prendre comme ceci et en fait c'est la classe ci au dessus que ça utilise. Mais je crois que de même ici ça peut fonctionner ici parce que c'est juste une classe qu'on est en train d'utiliser et ça reconnaît cette classe sans erreur. Mais parfois pour être sûr que ce que vous êtes en train de faire vous n'aurez pas d'erreur, vous allez juste venir dire vous allez dire from django.conf import setting. Ok, et vous allez là vous allez dire user égal à setting dot setting dot authentication user model. Ok, et alors si c'est plutôt le user ci que ça récupère. Ok, c'est plutôt ce user qu'on utilise. Mais ce user c'est quoi? C'est en fait c'est la même classe qui était juste ici en haut parce que en fait on est parti dans setting, on a pris celui-ci, c'est nous-mêmes qui avons référencé ça. Ok, pour dire que bon en fait il hérite vraiment de celui-ci. Ok, donc c'est un peu ça. Donc ça c'est les deux méthodes. Ok, lorsque vous voulez juste avoir ça quelque part, mais si c'est pour utiliser une clé étrangère, c'est comme ça que vous allez faire cela. Ok, voilà. Maintenant, après avoir fait ça, maintenant on va partir créer les formulaires pour le registre changement création au niveau administrateur, parce que vous savez que nous sommes en train de reconstruire. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis ici, j'ai créé un modèle. Ok, en fait même, allons dans admin, je vais lancer cette application. Ok, ouais c'est ça, je vais venir ici pour que vous puissiez comprendre où on est en train d'aller, parce que je peux aller sans vous montrer, ça devient un peu touffu. Python 3 manage.py run save, j'ai bien écrit. Ok, j'ai lancé notre serveur. Si je viens là, j'entre ceci. Ok, nous avons ça. Ok, nous avons ça. Si je parle à la partie admin, on me demande quoi? L'adresse email et le password. Or, généralement, c'est quoi ici? Le nom d'utilisateur. Nous sommes d'accord, mais cette fois-ci, on me demande l'adresse email.
Je crois qu'on a créé un utilisateur dont l'adresse email était @gmail.com, si je ne me trompe pas. Et le mot de passe, je crois que c'était 1. Good. Maintenant, ici, ici, on ne peut pas encore voir le modèle. Je sais que vous savez pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas encore enregistré notre modèle dans le admin. Ok, on n'a pas encore enregistré dans le admin. Mais dès qu'on va enregistrer notre modèle dans le admin, je vais venir vous montrer ça. Donc, je préfère qu'on passe, d'abord là-bas parce que j'ai envie de vous montrer vraiment la notion de formulaire ici. Donc, on va brûler un peu l'étape. Ok, c'est pas grave. Donc, je vais laisser d'abord au niveau du formulaire. Dans tous les cas, on va prendre parce que même si je pars admin, j'aurai besoin d'un formulaire ici pour créer quelque chose. Ok, donc je vais copier ça. Ok, pour le formulaire. Ok, on peut dire formulaire.py ou bien form.py tout simplement. Voilà, on va aller dans form.py. Je vais enlever ça, je vais coller ceci. Ok. Ici, on doit arranger aussi quelque chose ici. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes. Pardon. Mais je pense que c'est plus rapide ici. Si je frappais toutes ces lignes de code, ça devait être plus long. Mais comme ça, je vous explique mieux. Je pense que c'est mieux comme ceci. Voilà, on a fini avec celui-ci. Attendez. Voilà, je pense que j'ai tout arrangé. Ok, donc je vous explique ce qu'on est en train de faire. En fait, on est en train de créer des formulaires pour enregistrer les utilisateurs. Ok. Première des choses à faire, je fais Django form, j'importe le formulaire. Deuxième des choses, j'importe le get user model. Ok. Troisième des choses, j'importe le read only password HTML. C'est le champ qui permet en sorte que les. Parce que lorsque l'utilisateur entre son mot de passe, il enregistre. On a envie de que même l'administrateur ne puisse seulement lire, voir seulement son password, mais que son password soit en hash shield. Ok, nous sommes d'accord. Maintenant, pour avoir l'utilisateur, je vais vous expliquer ça. Je fais user égal à get user model. Ok, voilà. Donc ici, par défaut, ça c'est le register form. Ok, pour enregistrer un utilisateur,
Ici, là, je dis password 1 et password 2. OK, on connaît déjà ça. Pour enregistrer un utilisateur, il nous faut un formulaire. C'est pour ça qu'on définit un formulaire. Maintenant, voilà la classe meta. On a ce champ. Parce que voici le champ qu'on est en train d'entrer ici. Par exemple, fields et email. Donc, par exemple, cet utilisateur, pour s'enregistrer, ça va manquer juste le email. Ici, là. OK, il doit entrer le email. Donc, ça, c'est le champ qu'on apporte ici. Le email. Donc, on peut venir ici, on ajoute password. OK, on peut venir, on ajoute le password, ainsi de suite, et les autres champs qu'on veut qu'on entre. OK. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'email, on vérifie. On vérifie l'email. Si l'email n'existe pas déjà dans la base de données. OK, on vérifie. OK, on fait email clean data. Vous connaissez déjà ça. OK, on a vu comment vérifier un truc comme ça. On fait si tu existes, on reste. OK, au cas concret, on retourne l'email. Vous connaissez quand même ça. Maintenant, ici, on fait la même chose pour le password. OK, on récupère les deux passwords. OK, on récupère les deux passwords. Et là, après avoir récupéré les deux passwords, on compare les passwords. OK, s'ils sont bons, on retourne ça. S'ils ne sont pas bons, on retourne une erreur. Maintenant, il y a la classe admin. Il y a la classe admin. OK, user admin creation form. Ça, c'était pour enregistrer un utilisateur quelconque, même hors de l'administration. OK, même dans un simple site. Donc, vous envoyez côté utilisateur, en fait, c'est ce que je veux dire. Maintenant, au niveau de l'admin même, si je suis dans admin et je veux créer un nouveau utilisateur, voici le formulaire que je vais utiliser. Password 1, password 2. OK, password 1 et password 2. Voilà, form, password, tout ça, vous connaissez ça. Maintenant, user, email, tout ça. Maintenant, on fait toujours le clean comme plus haut, c'est la même chose. Maintenant, au niveau d'enregistrer, OK, je fais toujours le sopa.safe commit égale à false. Je set le password. OK, je set le password. En faisant le clean, je récupère le password, je fais un set. OK. Et il dit if commit, ça safe. Voilà, c'est basique quand même cela. Maintenant, ici, ça c'est le user admin change form. Donc, si on veut modifier les données d'un utilisateur au niveau de admin. OK, au niveau de admin. Je vous ai dit que c'est... Donc, lorsque vous voulez faire une application et que vous voulez reconstruire tout, soyez-en sûr que vous... Votre application nécessite vraiment, parce qu'il y a le abstract user qui permet d'augmenter les champs. Soyez en utile, parce que ça augmente beaucoup de complexité. Donc, user admin change form. OK, maintenant on dit password égale à read only password hash field. Donc, malgré même si l'utilisateur l'administrateur veut même changer les informations d'un utilisateur quelconque, OK, Il n'a pas besoin jusque là de voir le mot de passe. Il faut que ça soit juste un read only field. OK, maintenant ici, voici la classe, les champs. On a email, password, is admin. OK, maintenant ici on fait le clean password. Bon, ça c'est les champs à modifier, hein. OK, ce sont les champs qu'on peut modifier. OK, c'est ça qu'on passe ici, parce que ça c'est la classe qui permet de modifier. Lorsqu'on fait le clean password, on fait un return. OK, comme vous voyez ici, indépendamment de ce que l'utilisateur fournit, renvoie la valeur initiale. Indépendamment de ce que l'utilisateur a fourni, ça renvoie la valeur. Cela se fait ici plutôt que sur le terrain, car le champ n'a pas accès à cette valeur initiale. OK, ça ira jouer au niveau du password. On va faire ça tout à l'heure. OK, ne vous inquiétez pas. Donc, après avoir fait ça, on va travailler maintenant sur le admin. OK, parce que ces formulaires, il faut qu'on enregistre dans le admin. Donc, on va travailler ici. Donc, je vais aller sur l'article.
Donc après ça, on est dans le admin. On va juste copier ça. Et on va venir là. On va coller. Ok. Et j'arrange très rapidement et je vous explique. Non, il y a un souci au niveau d'ici, groupe. Je vais arranger ça après. Voilà. Je vous explique ça rapidement. From Django.contrib admin, vous connaissez ça. From Django.contrib.auth égale get user model, vous connaissez ça. From Django.contrib.authentification.model import group. Ça, c'est un modèle qui s'appelle group. Ok. Le group est dans toutes les applications utilisateurs. Il y a une relation entre le modèle utilisateur et le modèle group. Le prochain tutoriel, c'est dessus. Groupe et permission. Ça, c'est le titre du prochain tutoriel. Groupe et permission. Donc, un utilisateur peut être, par exemple, dans le groupe des vendeurs que vous avez créé, bien sûr. Dans le groupe des acheteurs. Dans le groupe des admins. Dans le groupe, vous pouvez créer autant de groupes que vous voulez. Donc, ici, j'importe groupe. OK. Maintenant, Django.contrib.auth.admin importe user admin as base user admin. Ok, user admin, c'est une classe préconstruite. Ok, on importe cela. Et si on part dans cette classe, si on veut être curieux, si on part dans cette classe, vous allez voir tout ce qui est dans cette classe. Ok, toutes les données en fait qui sont déjà dans cette classe. Regardez, voici le formulaire de ça. Il y a les champs username, password, personal info, first name, last name, email. Permission, is active, is staff, is super user, group permission. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une relation entre les groupes et les permissions pour un utilisateur. Les trucs importants, important date, field, last login, date join, add field. Ici, on a add field ici. Par exemple, on a username, password 1 et password 2. Ok? Et on a ces formulaires là. On a list display, list filter, on a search field. Je vais vous montrer tout ça. Ok, je vais vous montrer tout ça. Donc en fait, moi je trouve le code de Django très propre. C'est pas compliqué à comprendre parce que ce qu'on écrit ici, en fait, c'est ce que j'ai réécrit ici. Donc je vous ai montré un peu le base user qu'on a importé ici, le user admin qu'on a importé. Donc il y a beaucoup de champs là-bas qu'on a importé et qu'on va override. Par exemple, vous allez voir ici que list display, ici je mets quoi, email et admin. Ici c'était quoi, list display, list display, c'était username, email, first name, last name, is at is staff. Ok, je peux décider de mettre aussi ça, peut-être is staff. Vous pouvez décider de mettre ça là-bas, tout simplement, si vous voulez. Ainsi de suite, vous pouvez mettre autant de tout ce que vous voulez. Vous voyez, si vous pouvez aussi ajouter là-bas. Et voilà. Donc, admin. Donc, vous pouvez venir ici. Vous mettez cela. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, ok. Admin, et vous devez vous rassurer que cela existe dans votre truc, en fait, dans votre modèle. Ok, donc quand on va regarder votre modèle, il faut qu'on soit sûr que il y a cela dedans. Ok, manager, staff. Ok, c'est plutôt staff ici. Ok, donc c'est pas staff, c'est plutôt staff. Ok, vous devez vous rassurer des trucs comme ça. C'est plutôt stable parce qu'on reconstruit tout en fait. Ok, la bonne amie plutôt. Et hey, je suis où? Je suis où? J'étais dans le code même de Django. Désolé, je vais fermer.
et aller dans pour nous-mêmes. Voilà. Ici. J'étais en train de modifier Django moi-même. Voilà, c'était quand même incroyable. Donc je mets staff. Ok, ce sont nos champs en fait qui viennent du modèle. Ça c'est list display. List display c'est le tableau qui s'affiche lorsque vous créez un utilisateur. Un tableau qui va montrer son email, s'il est admin et s'il est staff. Vous voyez un peu. List filter. C'est un truc qui va. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ok, je vais vous montrer tout ça. Maintenant, fill set. Ce sont les champs. Voilà, qui montrent les trucs de l'utilisateur, ce que l'utilisateur peut. Voilà, les données d'utilisateur en fait, les champs de dont il y a l'email, il y a le password, personal info, il y a ça, les permissions, ainsi de suite. Permissions, ici vous allez voir, field, j'ai juste mis email et password, password, personal info, j'ai mis field, il y a rien, on peut mettre un personal info, peut-être ici on peut mettre peut-être phone, phone, ok, et je viens ici là, je mets ça dans ma base, je fais ça, ok, et j'arrange rapidement ici. Il y a un souci au niveau de Django admin. On dit quoi? The value of fuel set 11 fuel must be a list of tuples. Fuel set, ok, je regarde ça. Fuel set ici. Fuel set. Ok, le problème c'est ici. Je crois. Ok. Voilà, c'était ça le problème. Il fallait passer les tuples non en Python. Il faut un peu, il faut toujours mettre ces petites virgules après pour dire que bon, il peut avoir un autre élément. Donc je vais faire migration. Et ah, vous voyez que ça a créé le modèle produit. Voilà, donc bon, on va laisser. Migrate. Ok. Donc je peux mettre phone ici là comme un personal info, les permissions on peut mettre admin, on peut mettre n'importe quoi. Donc vous pouvez mettre autant de choses. Donc vous, comment vous construisez tout à zéro maintenant. Ici là maintenant add field set n'est pas un attribut modèle admin standard, utilisateur admin en fait remplace le get field set pour les utilisateurs de cet attribut. Donc en fait ce sont des champs, ok, qu'on augmente dans le database. En fait, quand vous voulez accéder à cela, peut-être quand vous faites par exemple user.model, par exemple vous pouvez faire par exemple request.user.peut-être username. Ok, voilà, c'est ça. Ici vous pouvez faire le username. Si vous faites ça, ça va vous renvoyer le email. Si vous faites encore password, ça va vous renvoyer le password. Mais si on ajoute pas un champ ici là, voilà, on ne pourra pas faire cette requête. Ok, j'ai préparé un tutoriel dessus, je suis en train d'arranger, je vais mettre ça en ligne aussi dans quelques temps. Après le tutoriel sur le groupe, et je vais mettre un tutoriel sur les add field set et les field set. Ok, je vais faire un tutoriel dessus. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant les set field, ça veut dire que pour chercher un utilisateur on doit ancrer plutôt l'adresse email. Ordering, ok, pour le classement se fera grâce aux adresses email et le filtre sera horizontal, tout simplement. Maintenant on enregistre, c'est comme ça qu'on enregistre, n'est-ce pas? Ok, donc après avoir fait ça, je vais lancer le serveur. Ok, maintenant on va aller au niveau de admin. Voilà, je crois que c'est ça ici. C'est même ça. Ah non,
Je pense pas. Ouais, c'est plutôt ça ici. Voilà, vous allez voir qu'on a une table utilisateur maintenant. La table produit n'est pas là parce que j'ai pas enregistré ça dans le admin. Donc si je viens ici là, je fais admin.site.register et je fais product, je crois que c'était produit, c'est pas trop form, voilà c'était produit. Voilà, c'était produit. Donc, si je viens là, j'actualise. Voilà, vous allez voir qu'il y a un produit là maintenant. Donc, si je viens sur produit, vous voyez que le produit est lié à un nouveau utilisateur, tout ça, tout ça, tout ça. Donc si je viens là, je clique sur user. Ok, vous allez voir que la façon que ça affiche, il y a email address admin staff. Vous voyez que ça coche ici parce que cet utilisateur a été créé comme Sopalooza. Ok, voici ce qu'on appelle les filtres. Ok, voici ce qu'on appelle les filtres. Vous allez voir ici by admin all. Vous allez voir yes, no. Donc si je viens ici sur les filtres, il est où filtre? C'est où là? Search. Voilà, voici ça ici. Je peux venir ici là, je mets par exemple staff aussi. Ok. Quand je mets staff aussi, si je viens là, j'actualise. Vous allez voir ici directement by staff. Ok, by staff. Ok, ce sont les filtres en fait. Ça donne les informations par rapport aux différents utilisateurs, tout ça, tout ça. Donc, si vous cliquez là, ça va vous donner tous ceux en fait qui sont by admin, tous ceux qui sont par staff. Ok, si je clique sur cet utilisateur, regardez, son password est haché. Ok, maintenant voici additional info qui est quoi, le numéro de téléphone ici. Il est admin, permission que nous avons défini. Nous avons défini une seule permission ici. Ok, comme vous pouvez le voir, vous allez voir ici qu'il n'y a pas les groupes. Ok, il n'y a pas les groupes. Par contre, si vous regardez ici, si je rentre un peu en arrière, si ça me permet, non, ça a déjà, bon, ça va, ça a déjà fermé l'autre là. Donc il n'y a pas encore les groupes ici où on peut mettre un utilisateur dans un groupe quelconque. Donc c'est encore un peu du travail qu'il faut faire. Voilà, et ici on peut modifier les trucs de cet utilisateur. Ok, je peux mettre peut-être 3 là. Vous voyez ici que le password est haché. Ok, c'est vraiment haché. Donc voilà, je peux faire save. Ouais, on a modifié cet utilisateur, tout ça. Ok, donc ici maintenant les recherches, ici on peut rechercher par email. Ok, si on veut ajouter un nouveau utilisateur, on nous dit on no field password 1 and password you for specify for user. Donc ça ne reconnaît pas ceci. Ok, je vais voir pourquoi ça ne reconnaît pas le password 1 et password 2. Ok, donc ça doit être un problème de modèle bien quoi. Fuel password 1 at fuel, où est le forms? J'ai bien ça. Non, c'est pas un problème ici, ça doit être un problème venant d'ici. Parce que normalement ça c'est les champs qu'on utilise dans le truc pour le formulaire pour avoir le password. Je sais pas si c'est un souci ici.
Bon, je vais un peu voir. Ah, donc c'est pas ça. Donc c'est, ça doit être un truc venant du formulaire. Ok, ici on a password. Ici on a password 1 et password 2. En forms. Tant je regarde le formulaire. Ok. Donc, comme on a vu, ça ne reconnaît pas ces deux champs qu'on a mis ici. Parce que ça, ce sont les actions. Donc, les champs qu'on ajoute juste. Donc, ça doit être un problème venant du formulaire. Je suis certain. Au niveau des champs, ici, on fait bien get password 1 et 2. Voilà, ça doit être ici. Donc, si ici, je mets 1. Ici, j'ai 2. Ici j'ai 1. Ici j'ai 2. Ici j'ai le password 1. J'ai le password 1. Ici j'ai le password 2. Ok. Maintenant le champ. Ok. J'ai le password 1. Ici j'ai le password 2. Donc, je pense que c'était quoi le souci. Bon, j'ai même trop travaillé. Je pourrais juste aller là-bas et changer password en ça, en fait. Donc, en fait, si je remets comme c'était. Voilà, c'est exactement comme ça que c'était. Donc, ici, si on regarde les champs, on voit que c'est password, password et password-2. Ok. Donc j'ai dit je peux venir ici là, je fais juste password et password-2. Ok, voilà. Je pense que ça peut être, c'était ça le souci. Ok, vous voyez que maintenant ça marche. Ok, c'était ça le souci. Donc les actions qui sont ça ne reconnaissaient pas en fait. Ok, ça ne coïncidait pas. Donc ici, je peux créer un nouveau utilisateur, j'ancre son adresse email, peut-être ce monsieur-ci, j'ancre son password, je ne sais pas trop quoi, peut-être ça, ok, et là je clique sur add. Voilà, on dit que unique content field utilisateur.form. Utilisateur unique content field. Donc parce que j'ai mis phone number égal à unique, ça lui a pris un peu comme si c'était une clé, un truc primaire, je pense. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Je pense que je l'ai pu. Voilà, je pense que c'est dû à ça. Donc si j'arrête là, on fait ça et on fait ça, je relance le serveur. Voilà, si on vient là, voilà, vous voyez que ça recrée cet utilisateur avec en fait, oui, parce que si j'avais mis unique et j'avais donné une valeur par défaut, vous voyez, j'ai mis unique et j'ai donné une valeur par défaut. C'est pour dire, si un utilisateur n'a pas un numéro de téléphone, donne-lui cette valeur par défaut. Et il y avait déjà un autre utilisateur qui avait déjà cette valeur par défaut. Ça veut dire que le unique coïncidait un peu quand même. Vous voyez un peu. Donc, soit on enlevait la valeur par défaut, soit on enlevait le unique. Ok. Et la meilleure façon de faire ici, c'était enlever le unique. Voilà, donc on a créé cet utilisateur. Vous voyez que par défaut, il n'est pas admin. Lorsqu'on crée un nouveau utilisateur, il n'est pas admin. Ok, tout simplement.
Voilà, je crois qu'on a parcouru ça. Voilà, maintenant comme petit défi de cet article, ok, avec ce qui précède, essayez d'ajouter un nouveau champ, ok, dans votre modèle. Alors, c'est ce qu'on a fait, on a fait ça avec foam, ok, on a fait avec foam, ça c'est un nouveau champ, vous pouvez ajouter encore un autre champ, vous pouvez ajouter n'importe quoi, ok. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Je vais faire un tutoriel sur les filsets. En fait, le tutoriel est déjà fait. Je vais arranger un peu les filsets et les unfilsets pour que vous puissiez bien comprendre. Et le prochain tutoriel, ça sera les permissions et les groupes. Maintenant, je rappelle toujours que faire ce que nous venons de faire là, c'est un truc très lourd et qui demande beaucoup de concentration aussi et qui n'est pas compliqué en fait, mais qui donne aussi beaucoup de travail. Ok, vous voyez un peu tout ce qu'il faut faire. Et c'est pas tout, parce qu'ici on n'a pas joué les permissions, tout ça, on n'a pas vraiment travaillé sur les permissions et groupes. Il y a encore beaucoup de trucs qu'il faut augmenter. Vous voyez un peu. Donc ce que je demande, c'est de bien comprendre, parce que vous allez travailler sûrement sur des projets qui nécessitent cela. Et généralement de les utiliser qu'au cas où c'est vraiment nécessaire. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Peut-être vous avez tendance, vous voulez faire quelque chose qui tend à ceci. Ok? Regardez un peu ça. Ce que j'ai écrit ici. C'est un modèle très propre. Ok? Qui avait besoin de certains champs aux utilisateurs. Par exemple, j'avais besoin de savoir si un utilisateur, ce n'est pas une. En fait, il n'est pas élève. S'il est un élève de 3e, de 2e, de 1er ou de terminale. J'avais aussi besoin de connaître la classe de cet utilisateur, son école, son numéro de téléphone, sa ville, sa région et sa biographie. Si à partir de ça, vous créez directement un abstract de user, sinon vraiment, voilà, vous devez vraiment vous justifier. Parce que ici, vous allez voir que j'ai seulement utilisé un abstract user. Ok, abstract user. Et avec le abstract user, c'est pas complexe au niveau du formulaire même. C'est pas complexe. Ok, au niveau du formulaire, c'est pas trop complexe. Ok, voici mon modèle que j'ai créé. Ok, comme vous pouvez le voir ici, c'est ça ici. Ok, c'est mon modèle là ici. Donc je mets les champs que je veux afficher dans mon formulaire. Ça, c'est le formulaire pour enregistrer un utilisateur. Ok, tout simplement, voici le formulaire pour éditer un utilisateur. Pour éditer un utilisateur, tout simplement. Et ce sont les formulaires que j'utilise dans le code. Ok, c'est pas que je redéfinis le manager, non. Je ne redéfinis pas le manager comme on a redéfini. Je ne redéfinis pas la classe manager. Ok. Voilà, j'utilise juste ces formulaires comme ça pour travailler sur mon code. Ok, tout simplement. Et au niveau de l'admin, je mets juste les champs que j'ai besoin. Ok, list display, ce que ça va afficher. Le field set, j'utilise cette syntaxe. Vous voyez que je donne les groupes. Tout simplement, tout est donné. Ok, user permission, tout. Donc, je donne ça, les add field. Je mets le user password 1, password 2, personal info, je mets first name, last name, email. Donc, lorsque vous utilisez le abstract et que vous avez augmenté tout ça et que vous voulez encore réutiliser ça, vous copiez seulement ça dans la documentation de Django, vous collez. Maintenant, personal info, c'est ici que vous pouvez ajouter toutes les autres informations. Les permissions sont là, les dates importantes sont là. Et additional information, maintenant, j'ai l'école, la classe, le téléphone, la ville, la région et la biographie. Donc vous voyez un peu. Donc voilà, c'est si vraiment le projet n'est pas complexe, vous pouvez passer par ici simplement parce qu'il n'y a pas assez de travail ici. Mais si c'est complexe et qu'il faut vraiment construire tout de zéro, vous passez de l'autre côté de ce qu'on vient de faire. Donc merci d'avoir regardé le tutoriel. À nous revoir dans le prochain tutoriel où on va voir les groupes et les permissions. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.